Bonjour. Voilà, j'avais poussé mon coup de gueule. Là, pour l'instant, ça va très très bien. Pour l'instant, j'en suis content. Mais depuis février, pas mal de gens se plaignent du streaming. Depuis qu'ils ont fait la mise à jour en février, parce qu'avant, on streamait à partir de l'application Twitch. C'était super bien. Et depuis maintenant, on stream depuis l'application Guide. Toujours en passant par Twitch. Et là, cet après-midi, j'ai streamé sur Blade & Fury. Alors, le jeu plus la voix, c'était horrible. Alors, j'aimerais bien que Fispencer ou Twitch, peu importe qui l'un des deux doit faire la mise à jour, comme ça. Mais on aimerait quand même qu'on se soucie de nous parce que on aimerait bien streamer comme avant et que cela ne devienne pas une habitude de laisser les choses comme ça. Ouais, là, par contre, vous entendez bien. Donc, par contre, je suis quand même en 1080p 60. 60. Bref, vous avez compris. 6000 machin. Je suis tellement énervé parce qu'avant, bon, quand je ne discutais pas beaucoup. Et là, je commence à reprendre l'habitude. Alors, on est quand même dans un siècle assez avancé. Donc, j'aimerais bien quand même que Microsoft fasse sa mise à jour. Là, ça devient insupportable. Moi, j'ai quand même un débit montant de 680 mégas. Donc voilà, c'était pas parce que les gens aussi, il y a beaucoup de gens qui streament sur PC, mais moi aussi, je stream sur PC, mais j'aime bien aussi streamer sur ma console. Voilà, c'est ma Xbox One X. Donc, c'est bien beau de faire des consoles puissantes, comme tout le monde dit, mais il faut aussi assumer les choses. Autrement, on aimerait bien aussi streamer sur YouTube. J'aimerais bien savoir quel est le moyen de streamer sur YouTube à partir de la console, mais on peut pas. Voilà, autrement, je resterai sur YouTube. Ça aurait pas été un problème. Voilà mon coup de gueule que je vais diffuser sur YouTube. J'aimerais bien que Xbox fasse une mise à jour très très vite parce que ça devient insupportable. Voilà. Et là, je vais essayer de streamer tout à l'heure. Du moins, je vais essayer. À tout à l'heure.